Derrière ces murs, le drame se joue sur les planches, mais aussi en coulisses. Scène prestigieuse, institution russe, le Bolchoï est secoué par une série de scandales depuis plusieurs mois. Directeur du théâtre moscovite depuis 2000, Anatoly Iksanov a été limogé aujourd'hui par les autorités russes. Il a été remplacé à ce poste sensible par Vladimir Ourine. Il est très important que cette transition entre les deux directeurs se fasse d'une manière civilisée, normale, calme. Du calme, le Bolchoï en aurait bien besoin. Le théâtre est en crise depuis l'attaque à l'acide de Sergueï Filine en janvier dernier. Le directeur artistique avait été grièvement brûlé au visage et aux yeux. Pour l'heure, le danseur n'a toujours pas retrouvé la vue. Cette agression a révélé au grand jour des rivalités féroces au sein de l'institution. L'attaque aurait été commise par un danseur mécontent de voir sa petite amie, danseuse dans la même troupe, recalée pour un rôle qu'elle briguait. Un acte de vengeance très shakespearien.